Oh, je ne vous avais pas vu. What's up tout le monde, c'est Max sur un tweet. Je suis un peu endormi là, non je rigole. Donc on se retrouve sur la trahison des Templiers pour l'épisode numéro 17. Par contre là ça fait encore les petits lags là. Coupure, je reviens. Voilà, je suis de retour, j'espère que ça va pas refaire les mêmes trucs. Je pense pas. On va descendre là-bas et faire la note principale numéro 17. Je sais pas si c'est le 17 en fait. Il a fait du kill lui. Non, c'est la note principale 16. Ok. Donc, tac. Après, je vais là-bas. Autre. Trahison des Templiers, note principale 16. Bienvenue à Kaidoran. Ce village est un endroit très sûr. Si vous voulez vous y habiter, vous y abriter, bienvenue. En échange, vous aurez juste à nous aider à faire fonctionner le village. Bonjour, je ne suis qu'un aventurier. Je me promène de région en région pour aider les gens contre les Templiers. Pouvez-vous m'expliquer le fonctionnement du village et où se trouve votre mère? Notre ville possède 4 étages. Le premier étage qui est celui-ci, où se trouve l'entrée du village et le centre d'information. L'étage au-dessus est l'étage des habitations où vivent les gens. Ensuite, le troisième étage est l'étage du maire, où se trouve sa salle. Pour le dernier, c'est l'étage des ventes et où les villageois posent des annonces de vente. Très bien, merci beaucoup de vos renseignements. D'accord. C'était juste pour nous apprendre la structure du village. Donc, nous, on l'avait déjà vu. Et on va monter... Oh, c'est plus fluide quand je regarde en bas. Bon. On va monter tout en haut, là-bas. Ah. Ok. J'ai eu un freeze, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc des fois, la minimap en haut, à gauche... Attendez, je vais régler mon micro, hop. J'espère que ça a pas fait trop de bruit. Je sais pas si c'est celle-là... Non, c'est pas tout en haut, c'était juste l'étage en dessous. La minimap en haut à droite, des fois, elle disparaît, du coup, je sais pas pourquoi. La dernière, dans le dernier épisode, elle y était pas. Bon. Note principale 17. Attendez, on va se mettre là. Salut. Vous le verrez bouger comme ça. Donc la trahison des Templiers, note principale 17. On rattrape avec les épisodes. Elle est longue, mais bon, ça va. Bien le bonjour, je n'attendais que vous. Maintenant, tout le monde vous connaît. Vous avez réglé les problèmes à Snowward, en Alcadia. En Palumbra, vous avez même aidé Ragnaros. Voyez-vous, notre région possède quelques soucis. Le fait que les arbres cachent la lumière donne avantage aux monstres. Nous empêche de vivre tranquillement. Cette région possède 2 arbres géants. Le premier où vous êtes, le deuxième. Où vous êtes, et le deuxième, qui était autrefois un deuxième village. Nous étions reliés par des passerelles en hauteur, mais elles ont été détruites par les monstres. Les habitants du second village ont été tués, et cet arbre est maintenant le repère des monstres. Ils ont bien sûr barricadé l'entrée avec plusieurs portes magiques. Pour entrer, il nous faudrait donc les leviers correspondant à ces portes. Faut-il encore les trouver? À vrai dire, je pense connaître l'emplacement d'un de ces leviers. J'ai vu des monstres qui traînaient près d'une zone, ce que je trouve étrange alors qu'ils ont leur repère. Allez en X53, blabla, et fouillez la zone. CTRL-C, on revient à CTRL-V. Hop. Voilà. Donc on va y aller, en plus on a les coordonnées en dessous de la minimap. Et j'en ai profité avant de faire l'épisode, parce que avec les shaders, en fait, tous les coins d'ombre sont super sombres, et donc... À l'extérieur, tout le tronc était tout noir, on voyait plus rien du tout. Et du coup, j'ai un peu éclairé. Je sais pas pourquoi il est là. Vous voyez toutes les torches au mur, là, c'est moi qui les ai mis. Pour pas qu'ils spawnent à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors. 53 et 1463. Oui.
Et donc regardez, tout le tour, le bas, j'ai mis un peu des torches, mais bon, ça les empêche pas de spawner. Ça va être là. Oui, ça doit être là. Je vais détruire les spawners. Vu que je pense que c'est ça. Hop. Oui, j'ai réussi. Aïe. Oh, laisse-moi attaquer. Putain, il va pas. J'ai même pas réussi. Merde, je suis passé dans le feu. Hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Bon. Je vais pouvoir le détruire en paix. Sérieux. Hop. XP. Un peu de bouffe bientôt. On va fouiller un peu. Ah oh. Ah. Flèche et levier. Waouh. Non. J'ai eu chaud. Ok, j'ai trouvé un coffre, c'était bon. Hop, hop. Ah non. Ah. C'est n'importe quoi en dehors du village. Oh. Oh là là, les creepers là. Hop. Hey, tu m'auras pas. Allez, il me regarde. Ah, c'est bon. Donc on va se poser là, hop, et je vais lire la note principale. Après avoir trouvé le levier de l'arbre numéro 1. Attendez, juste, je fais une petite vérification pour voir si c'est celui-là. Tac. Numéro 1, ouais. Je supprime tout ça aussi. Hop. Bien, selon un éclaireur, il y aurait trois portes magiques. Vous avez déjà un levier. Il vous en manque deux. Fouillez la région à la recherche des deux leviers. Quoi? Ok, il faut fouiller comme ça. Pas d'indication. Attendez, je vais quand même aller à revoir. Pour avoir trouvé tous les leviers de l'arbre mort. Ah, bah oui, mais il faut tout trouver comme ça, au feeling. Bon, bah, c'est parti. Si c'est trop long, je ferai des coupures jusqu'à que je le trouve, hein, je sais pas. Ouh. M'en fous de la viande de zombie. Ok. Il y a des chauves-souris ici. Je vais faire le tour du truc. Et je vais sûrement couper jusqu'à que je trouve un truc. Ouais, allez, à tout de suite. Voilà, je suis de retour, j'ai eu un petit crash de rien du tout. D'ailleurs, j'ai changé de pack de texture, parce que j'avais oublié de le mettre. Ouais, attendez, hop. Elle est bizarre cette truc. Poser le bloc de fer à la place de la pancarte. Pyramide de Caramon le fou. C'est une quête secondaire, ça, je pense. Et là, je sais pas pourquoi il y a un bloc de verre. Ils ont dû oublier de l'enlever. Putain, les trucs, ils ressortent. Hein. Voilà, hop. Tout à l'heure, quand j'ai fait ça, ça m'avait fait crash. Je sais pas pourquoi. Et des pancartes aussi. Parcours à ne faire que quand la deuxième partie de la note principale 17 a été lue. Non. Ok. Bon, et ben recoupure. Là, j'ai même pas eu besoin de faire des coupures normalement. Enfin, je l'ai coupé quand même, mais j'étais là-bas, j'ai traversé, je suis allé vers l'arbre. Et levier de l'arbre mort, beau aussi, ouais. Un requis. Hop.
Je vais pas refermer derrière. Ah, l'arbre numéro 2. Fuck. Bon. Bon, ben, je vais continuer comme ça, alors. Waouh. Ah, tiens, il y a plein de lave, là. C'est quoi? Ah, il y a un coffre. Merde, j'ai pas une épée. Waouh. Il se faisait des passes en plus. Ok, c'est bon. Bientôt niveau 58. Il y a tout plein de lave là. Je sais pas ce que c'est. Faut faire gaffe à pas tomber à cause des araignées là. Hop, voilà. Oh, un XP et je suis au niveau 58. On va faire gaffe. De toute façon, j'ai dormi dans mon lit. Ça devrait me retaper là-bas. Oh, les magma cubes. Ah, l'accès numéro 2. Hop, voilà. Niveau 58. Carrément sombre là-bas. Bon, on a l'accès numéro 2, maintenant il faut le 3. Ouais, c'est assez visible quand même les, oula, les emplacements des leviers, c'est pas très dur. Je vais aller voir là-bas ce qui se passe. Oui, il y a un coffre en plein. Ouais, mais c'est, waouh, oh, j'ai eu peur là. Je crois qu'il allait me pousser dedans quoi. Avec une épée. Ah, et d'ailleurs, j'en ai pris une aussi. Oh, j'ai jeté une torche, merde. Quelle maladresse. Voilà. Il y a des bouts de lave. Moi, je tire de plus loin et mieux. Ok. C'est bizarre cette lave quand même là. C'est juste un bug. Enfin, pas un bug, mais. Un truc qu'ils ont pas vu. Ah, voilà. Je zoome et tout parce que si des fois vous regardez le vidéo sur portable, vous le voyez un peu mieux. Il faut faire le saut là-bas, putain. Le creeper qui me fait chier. Hop. Comment je vais faire pour passer? Ils ont pas oublié un bloc là? Ouais, vous savez quoi, c'est un. Je crois qu'il y a un petit bug de leur part. Enfin, de sa part. Hop, hop, et hop. Lingot d'or. Ah, oh ben non, il était. Eh ben, ça brûle. Je crois que c'était un coffre. Non. Écoutez ce bruit, quoi. Hop. On continue les recherches. Je vais faire une coupure parce que ça sera. Ça, c'est peut-être pas tout à côté, je pense. Voilà, je suis revenu après un petit bout de temps. Et en fait, j'avais pas compris quand j'avais vu ça au début de l'épisode. Que c'était après la deuxième partie de la note principale 7. Mais j'avais déjà lu la note principale 7 partie 2. Là. Il me disait juste de trouver les autres leviers en fait. Et donc, je peux le faire le jump. C'est juste que. Merde. J'ai pas été, j'ai pas été attentif. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai un peu cherché pour rien, même si j'ai trouvé l'autre levier. Hein. Mais comme ça on va avancer. Hop.
contre, ça lag un peu des fois. Ça va être chaud des fois. Ouais. Conseil pour les jumps, toujours se sneak après. Merde, même. J'ai pas bien parti. Hop. Voilà, fou. Je remplace ma souris. Oh mais non, il y a eu un lag là. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a eu un lag, je m'en fous. je vais me remettre là, tiens. Voilà. Comme ça, je devrais un peu en faire des jumps. Mais c'est pas ma faute s'il y a eu un lag quand j'ai sauté. Surtout qu'il était facile ce saut là. Hop. Ah ben voilà, l'arbre mort numéro 3 et un lingot, cool. Bon, on va ouvrir cet arbre là-bas et on va visiter un peu. Ah oui, il y a une autre principale. Ah oui, en fait, hop, j'étais allé dans une autre map entre temps parce que j'en avais eu marre de chercher. Et puis d'un coup, je me suis dit, ah mais attends, par contre, là, je vois plus rien du tout. Merde, j'ai mis trop loin. Désolé, vous voyez rien. Moi non plus. Oula. J'ai désactivé les shaders à l'intérieur. Voilà. Hop, hop. Waouh, c'est quoi tout ça? Attendez. Bon. J'ai plus de bouffe. Hop, je vais plutôt prendre du pain. Hop. Et donc je vais lire la suite. Alors, après avoir trouvé tous les leviers de l'arbre mort, vous les avez tous trouvés, très très bien. Vous êtes vraiment fort. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à entrer dans l'arbre. Bonne chance. Détruisez tous les spawners de cet endroit pour le reprendre. Oula oula. Vous avez dû le voir approcher, je sais pas d'où. ça doit être marrant. Ah. Fillon. Ouais, ça c'est un lag. Bon, voilà. Hop. J'aurais pas dû faire ça. Fuck. Je me suis juste enfermé là, c'est pas possible. Voilà. Désolé. Du petit. Ah putain. J'ai détruit tout. Ok, je récolte tout. Putain, mais c'est. Il y a combien de zombies là? Vite. Hop. Ouais, donc toutes les épées de la jungle là, que j'ai trouvées entre temps, j'avais pas compris, mais il faudra que je les prenne. Hein. C'est une quête principale, secondaire, et que je vais faire bien sûr. Je vais tout faire. Enfin, je vais essayer de tout faire. Alors. Il manque des échelles, oui je les ai. Hop. Hop. Ça refait comme la dernière fois, c'est bien. Il faut trouver les échelles. Waouh. C'est juste moi ou je suis bloqué? Je sais bloquer. En plus ils peuvent pas me toucher je crois. Ouais, c'est vraiment bloqué là. Dommage. Ah, oh, mais c'est quoi tout ce nombre d'ennemis là? Et ils spawnent entre eux. Ah! Oh non!
Non. Vite, bouffe, bouffe, bouffe. Ah merde, je veux pas. Un jour, je construirai un village. Je le nommerai Azola. Michel. Ok. C'est bizarre qu'ils détruisent pas les portes. Ah bah oui, mais c'est les... Pour eux, c'est les blocs incassables. Comme les creepers, ils détruisent rien. Je jouais avec les portes. Ah. Ouais. J'hallucine, non mais mon épée en fer est déjà cassée. Enfin, va bientôt casser déjà. Bon, au moins, j'aurais rasé cet étage. Oh non. Allez, c'est toujours chiant les mobs. Oui, tu crèves. Oh, mais non, t'es sérieux. Je sais qu'il est pas mort. Voilà. On est débarrassé. C'est cool. Par contre, l'arc tout pourri, je m'en fous. J'ai juste besoin d'une épée, hop, voilà. Ah, je l'ai repris, comme d'hab. Et voilà, hop. Tout mon matos par terre. Mutation de l'homme étant toujours happy. Content. happy plus bonne mine est égal happy mille. Cool. Poudre d'os. Je lui en veux tout le temps au creeper, oui c'est normal, moi aussi. Échelle, cool. Gordos. Il se fait des happy meal. Là-bas. Habitation de Barantinos. Je te surveille. Putain. Échelle. Donc ça, je suis déjà allé. Mutation de lasagna, la lasagne nocturne. Oui. Alors, ça doit être la salle des habitations quand l'arbre appartenait encore aux humains. Oui. J'ai un peu remarqué. Ouais, je crois que là-bas, j'y suis pas allé. Vu que c'est encore fermé. Habitation de tueur de renard. Que personne n'aille sur mon trône. On peut pas, de toute façon. Les lois de Minecraft ne nous autorisent pas. Hop, hop, hop. Oh. What? Ok, merde. Je viens de poser deux échelles. Mais ça servait à rien. J'ai failli tomber, c'est cool. C'était pas là qu'il fallait les poser. Ah. Non, je peux pas. Je veux pas. Voilà, c'est bon. Ah non, je me suis encore rebloqué, cool. Attendez, je vais en profiter, voilà. Comme ça, je serai plus bloqué. Normalement, voilà. Je crois qu'il avait manqué une échelle. What? J'ai raté une échelle, alors. Les ondes du... d'un genre... Oula. Ouais, il s'est touché tout seul. Ok. Oula. Ne faites pas attention à mes murs. Ouais. Échelle. Viande humaine. Ok, lingot d'or.
C'est un gentil zombie, mais qui bouffe des humains. Échelle CC. S'il te plaît. Voilà. Je crois qu'en fait, c'est d'en bas que j'en ai raté. Mais bon. La salle du maire. À vos pioches. What? Ah, il est là-bas. Il me rate. Ah. Voilà. Boum, une échelle. J'ai pas trop envie de tomber dans le plancher. Enfin, tout en bas, quoi. Hop, une échelle là. Une autre échelle. Y'a plus rien. Non, c'est bon. Oula, 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 ça m'a fait peur. Du coup, j'ai entendu ce bruit là. Échelle. 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 Bon, en fait, il n'y a que des échelles, mais bon. Et puis de la jungle, je la prends avant de ne pas pouvoir revenir ici. Enfin, j'aurais pas envie de revenir ici surtout. J'ai 7 échelles là, ok, ça va me servir jusqu'à en haut. Ah ok, c'est du jump après. Oh non. Non. Putain, je vais le déglinguer comme ça. Tu crois que t'as le droit de faire ce que tu veux là? Ah, il est spawn, il est tombé. Merde, c'est pas avec ça. Ah, il s'attaque. Par contre, je crois que... voilà ça. Je crois que j'ai posé un peu trop d'échelles. Et que je vais en avoir besoin après. Voilà. Hop. Oh mais non. Mais non. Ellipse. Me revoilà après un freeze. Donc je viens de me reconnecter. Oula. Je vous ai épargné le jump. De toute façon, j'ai fail qu'une fois, je suis tombé. Aïe. Putain, il m'a enlevé un cœur quoi. Oula, oui, c'est vrai, il y a des spawners. Hop. On va les faire tomber. Hein. Sur le passage, j'ai pris quelques épées de la jungle qu'on avait raté, enfin que j'avais pas pris surtout. Hop. On détruit tous les spawners. Je crois que c'est tout. Il manque plus que 2 spawners. Ah. Ok, je vais me poster là. J'ai l'air la fin de la quête. Il est tombé là. Alors. Après avoir triomphé des 11 spawners, je sais pas s'il y en avait 11, de l'arbre mort. Je vous remercie amplement, aventurier. Le seul moyen de vous remercier à sa juste valeur est de vous couvrir de richesses. Allez en blabla. Attendez, copier. CTRL-C. Un trésor s'y cache pour vous. Le peuple de Kaidoran vous remercie. De rien. Et donc on peut dire que... qu'on se parlait depuis un Tokyo Walkie ou quoi. Donc l'épisode va être fini, attendez, je vais juste aller chercher le trésor, et puis après on va se laisser, hop. Hop. On va fermer pour pas qu'ils viennent. Alors, hop, je le copie. Hop, voilà. Alors, 106. Non, j'y vais en créatif, c'est pas grave, de toute façon je vais courir.
En 106. 106 et 1506. C'est peut-être un peu petit les... Ouais, les coordonnées. Si on met trop gros, après ça prend tout l'écran. Donc 106, 1506. Hop. On a 1600. Ok. Bon, je vais y aller vraiment comme ça va aller plus vite. Déjà que l'épisode est un peu long. Voilà. 106, 1906. Hop. Oh. Bottes en fer, épée enchantée de la jungle. Charbon, levée d'accès à Kalara. Cool. On a un nouveau là, accès. Potion de... Oh, j'ai plus de place. Attendez, hop, hop. Les échelles, je sais pas pourquoi j'en ai encore. Wow, 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 wow. Ah, il m'a enflammé. Ok, les bottes en fer, je vais pas les prendre vraiment. Et donc, dans le prochain épisode, on fera les quêtes secondaires. Donc, la pyramide avec le bloc de fer, les épées de la jungle et tout ça. En tout cas, moi, je vais arrêter après. Là, je vais faire l'épisode un peu plus tard. Enfin. Plus tard, un autre jour. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!